Salut, salut. Et bonjour pour ce petit commentaire que je vais faire. Alors, il y aura deux choses. Ça va être le commentaire de la partie d'il y a une semaine entre Edwin et Nathan. Partie qui s'est déroulée dimanche dernier. Pouf. Et ensuite, ce sera le commentaire de la partie Darius face à Nathan. Vous pouvez voir écrit chèvre sous le petit Darius, cochon sous Nathan. C'est un système de grades qu'on utilise à l'école de Gaulle et de Grenoble et de Rennes. On va regarder donc la partie de Edwin pour commencer. Edwin joue cette partie face à Nathan, partie qu'il a perdue. Mais c'était l'une des premières parties qu'on a pu voir de ce challenge où ça n'a pas juste fait des blocs. Donc c'est vrai que c'est agréable de temps en temps de pas juste faire des parties boîte versus boîte. Hein, c'est. Ça a pris ses bases, disons. Mais ça n'a pas fait des gros moyaux tout de suite, fermés et basta. Et envahissement de moyaux. Donc chouette partie à suivre. Hop, on va la regarder hein, rapidement pour voir un petit peu. Juste la physionomie de la partie. Je vais faire des micro-pauses au moment où voilà, j'ai mis quelques petites annotations. Que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Moi, la notation que j'utilise très souvent, c'est alors des dessins de partout, effectivement. Mais aussi des croix pour dire là où, enfin, où on pourrait jouer, par exemple, où la pierre aurait pu être, ou parfois c'est où est-ce qu'on va jouer le prochain coup. Les triangles pour dire que c'est pas si terrible. Et les carrés pour dire que c'est des coups bien intéressants. Hop, là on peut voir un double triangle. Et transpercement, tac. Là c'est des petites idées. Voilà la physionomie de la partie qui a été jouée la semaine dernière. Donc noir développe vraiment des grosses zones. Tous les groupes sont relativement solides, hein, donc ça c'est une chouette chose à voir. Et des deux côtés. Mais effectivement, noir a quand même pas mal d'espace. Petit sous-mégot peut-être. Et donc fin de partie. Bon, essayer d'envahir, c'est une bonne chose d'essayer. C'est un essai infructueux, mais c'est une bonne chose. Et donc ça se termine assez calmement hein, au final. Donc on va retourner au début de la partie et directement aller au 14e coup. Là, blanc fait une petite extension, mais peut-être un petit peu trop petit. On a plus l'habitude d'aller un petit peu plus loin. Je pense pas que la direction soit non mauvaise. Hein. Mais voilà, on préférerait peut-être jouer un poil plus loin. Celui-ci, on peut aussi décider de jouer de l'autre côté. Là, on voit que les deux pierres regardent de ce côté-là. Donc, on peut venir casser, sachant que là, il y a beaucoup d'espace. Là, il y a beaucoup d'espace aussi. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, moi j'irais tendance à venir dans cette zone-là. Tout ça. Voilà pour la question de direction. Un peu étrange de venir en dessous. C'est bien que Noir Tenuki, c'est une bonne idée, hein, je pense. Et là, ouais, très surconcentré. Hein. Très très surconcentré, blanc. Avec trois pierres sur cette petite zone. On aurait préféré avoir juste une pierre en extension en R7 par exemple. Donc bon. Noir continue de prendre des gros points. Et blanc joue sur la deuxième ligne. Et pareil, là il y a 4 coups sur la deuxième ligne, sachant qu'il y a encore beaucoup d'autres choses. Donc je ne cesserai de le répéter. Ne jouez pas trop sur la deuxième ligne, surtout au début de la partie. Hein. La deuxième ligne, on va y jouer si. Je sais pas s'il y a du monde dans le chat, mais quand est-ce que vous joueriez la deuxième ligne, vous, avec vos connaissances de Go?
si vous le jouez vers le début. Ouh, ça commence à tonner dehors. Si vous joueriez la deuxième ligne au début de la partie, c'est pour quelle raison ? La raison pour laquelle je jouerais la deuxième ligne serait vraiment pour, et même la première, hein, ce serait pour survivre. Mais là, en fait, même survivre, des fois, c'est trop petit. Enfin, il y a vraiment des plus gros points, quoi. Donc, au début de la partie, si c'est pas pour survivre ou pour mettre la pression pour tuer quelque chose, vraiment, c'est pas utile de jouer sur cette deuxième ligne. Donc, tous ces coups vont déjà perdre des points. Alors, on voit qu'il y en a deux de chaque côté, donc ça reste équilibré, probablement. Mais, ça aussi est un peu trop petit. Celui-là est intéressant parce qu'il va quand même prendre un coin. Ça, c'est assez gros. Et on peut le voir hein, au début de la partie. Après, bon, ça reste quelque chose de surconcentré. Et noir fait une erreur qu'il faut punir. Hein. Là, la pierre est déjà isolée. Donc, si. Ok, il transperce, mais blanc est surconcentré, super solide de l'autre côté. Et il vient d'envahir le coin complètement. Donc, il n'y a pas trop de risque pour blanc de jouer quelque chose comme ça. Blanc cherche à limiter l'influence de noir. Et. Choup, choup, choup. Tu peux là. Voilà. Cette sécurisation, elle est un petit peu trop petite. Elle est un poil trop petite. Parce qu'elle vise vraiment trop peu de points là, le petit cercle que j'ai fait ici. C'est assez peu de points, c'est 4, 5 points. Et en début de partie, enfin on est encore au début de partie, hein, donc là il y a des points d'invasion. À la limite, si on veut augmenter un peu la taille de notre truc, c'est mettre la pression comme ça, mais. Pff, c'est trop lent. Je pense que il y a plus des petits soucis à aller chercher du côté noir, il y a ce coin à prendre. Mais probablement ce genre de point aussi là, pour mettre la pression, mais. Mais ça c'est trop petit. C'est pas sur le centre qu'on fait les points. Hein. C'est vraiment sur les coins d'abord, les côtés après, et le centre. C'est une question de gestion d'influence. Et ça va être intéressant si on met quelques pierres. Il faut pas qu'elle soit lourde, et là c'est déjà un petit peu lourd, parce que c'est trop surconcentré. On voit hein, que blanc a beaucoup de pierres au même endroit, a beaucoup de pierres au même endroit, a beaucoup de pierres au même endroit. Les groupes de noirs sont un peu plus étendus, en fait, celui-là non. Mais là il veut juste vivre dans cette zone et basta. Mais sur ces deux zones, noir a bien étendu ses pierres, comparé à bleu. Là, c'est ce qu'il fait avec des coups assez légers aussi. Et voilà, deuxième coup de sécurisation, c'est un peu trop petit aussi. On va regarder hein, pas mal plus loin. Pour l'instant, c'est tchoup, tchoup, tchoup. Alors là, faut faire attention aux formes traversées quand même. Ça picote. Ce qui se passe juste après. Mais en même temps, blanc solidifie noir. En moyen, qui m'embête ici, si je suis blanc et que je joue ailleurs, c'est celui-ci qui va vraiment englober pas mal de territoire. Donc j'ai envie de casser un peu ça. Il y a une petite manière de faire, je pense, qui serait celle-ci. Donc on peut se dire, ah ouais, mais il pousse là, du coup ça va être embêtant. Mais ok, on fait Atari. Ah oui, mais je dois connecter. Et là, on a déjà transpercé un peu noir. Donc ça, c'est plutôt agréable. Là, il y a des petites faiblesses encore. Noir ne fera pas tous les points du centre, clairement. Et il y a encore les faiblesses de coin. Donc bon, ça montrait. Là, en poussant, simplement, blanc est un peu trop gentil. Et même ce coup là c'est passé, hein, c'est le pire qui puisse arriver, c'est noir fait Atari, on connecte.
Et en fait, dans beaucoup de parties, du coup, de jeunes, enfin, même pas de jeunes, hein, de gens qui débutent, on a peur de l'Atari. Et donc, on prévient de cet Atari en jouant là. C'est pas l'Atari qui fait peur, c'est la capture. Et il faut se souvenir de ça, hein, c'est pas l'Atari qui fait peur. L'Atari souvent nous renforce, hein, d'ailleurs. Et bon, faut évidemment voir que si... S'il y a cet Atari, on va pas mourir en grand. Si on connecte, ce serait dommage de perdre ces trois pierres, effectivement, mais bon, c'est 6 points. Hein. Donc bon, il y a probablement plus de 6 points, rien que ça, c'est plus de 6 points. Hein, on peut voir juste poser tac 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 tac, mettons, tac 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 tac. Et si on regarde cette zone. On va dire que noir a 4 points là, 4 à l'envers, pouf, et blanc a 4 points aussi, ouf. Et si on place, ouais, là je suis en mode diocé, ouais, je suis en mode diocé. Si du coup je connecte et que c'est blanc qui fait ça, noir qui fait ça, tac 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 tac, si je regarde exactement la même zone, c'était là. Si je regarde exactement la même zone, donc entre N17 et G17, là, touc, 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 blanc a un point, et noir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on était à égalité, et là on a 11 points de plus pour noir. Vous voyez le problème? Rien que ce coup-là, c'est 11 points. Donc là, cette passe ici vaut 11 points ou plus. Il y a peut-être même plus de partout. Donc ce genre de coup, c'est ça fait mal. Ça fait très mal. Et ce qui est dommage, voilà, c'est que Noir protège ce point-là. Parce qu'on voulait toujours envahir. C'est hop, à l'Atari. Zut. Je dois revenir connecter. Pouf. Ah non, ça c'est. Ah, il y a quand même peut-être la coupe qui peut faire. D'accord. Pour l'Atari, très bien. Et ça c'est. Ça c'est royal hein, pour blanc. Il a vraiment agrandi. Donc. Ah, ce genre de connexion parce qu'on a peur de l'Atari, ça peut vraiment faire perdre des points. Donc n'ayez pas peur des Atari. Quand vous vous faites faire avoir un manque de liberté, quoi. Ayez peur des captures, ça c'est bien, de voir quand il y a des captures. Mais si vous voyez qu'il y a un Atari, c'est pas une capture encore. Bien. Bibabou. Donc hop, je regarde. Tac tac tac. Ça j'avais vu. Tac tac tac. Et ouais, blanc n'a pas essayé d'attaquer. Et donc en fait, c'est un peu chacun chez soi, sauf que blanc a moins pris d'espace au départ et n'a pas attaqué les faiblesses dues à la vitesse de voilà, d'expansion de noir. Au contraire, il l'a renforcé. Et du coup, il y a moins de points d'invasion maintenant. Et vu que noir a été plus rapide au début, la partie est déjà un peu compliquée. Hein. C'est pas terminé, mais c'est plus compliqué. Sachant qu'aucun groupe noir n'est faible, hein, a priori. A priori, sauf. Sauf que. Hop. Ouais, ici, on aimerait bien jouer juste A7 comme ça. On est tranquille, on a notre groupe qui vit. Là, quand blanc saute en H9, on voit vraiment que le groupe est isolé à gauche. Et donc, a priori, hein, y a assez d'espace. Mais un petit A7, ça sécuriserait la chose tranquillement. Sinon, on rejoue ailleurs. Parce qu'il joue dans la partie. Ah, comme ça, c'est vrai. Blanc continue de sécuriser. Un peu trop long, hein, cette sécurisation. Faut aller au point. Quand on entend déjà, faut tout de suite lancer les hostilités. Parce que si à chacun des moments, 1, 2, 3. 4, 5, 6,
7, 8, peut-être pas celui-là, mais quelques-uns d'avant qui sont pas forçants et qui sont toujours encerclés. Noir, si là par exemple, blanc lance les hostilités et fait ce qui se passe dans la partie un peu plus tard, donc je vais montrer, tac, 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 tac. Ça met son temps, ça met son temps. Donc là, noir, ouais, pas mal d'espace. Si blanc ne tue rien, c'est fichu. Donc là, à ce moment-là, quand noir joue ça, là, c'est un tsumego faisable. Vous laisse essayer de faire ce tsumego pendant 5 minutes. Non, pas 5 minutes, non, pas du tout. Où est-ce qu'on joue là? Vous avez une idée? Avez-vous une idée? Petite sous-mégo basique. Pour capturer les pierres noires pour ne pas le laisser être un groupe immortel, il y a un point bien particulier à rajouter ici. Ça va être à 11. Quand on joue à 11, ah, pas loin. Pas loin, pas loin. Pas loin quand même, et bienvenue ici. Si on joue à 12, hop, noir peut bloquer. Et nous, on aimerait bien faire Atari comme ça pour qu'il connecte et qu'on puisse capturer. Le problème, c'est que quand on fait Atari, on se met nous-mêmes en Atari. Atari, c'est être en manque de liberté. C'est-à-dire que l'autre ne doit plus rajouter qu'une pierre pour capturer. Par exemple, la pierre 1 est toujours en Atari ici. La pierre 4, si je joue ça, est en Atari. Là, on peut capturer la pierre 1, on peut capturer la pierre 4. Mais là, à 11, va pouvoir effectivement manger. C'est un peu subtil, parce que là, si on se dit, ah, attention à mes deux pierres, les deux pierres qui sont encore une fois en Atari, on va les sauver. Si on joue ailleurs, on se les fait manger. Ah, on les sauve. Ah, mais du coup, là, c'est un groupe immortel. Si je l'entoure, je peux jamais jouer là, l'autocapture n'est pas autorisée, évidemment. Et d'ailleurs, à l'école de Go, c'est un. Et là, pareillement, l'autocapture n'est pas autorisée. Bon. Et sauf qu'il y a une petite technique spéciale, c'est que quand on capture deux pierres, et ben ça fait pas un œil. C'est-à-dire que là, si noir capture, et que je rejette une pierre à l'intérieur, vous allez me dire, mais c'est très bizarre, on a dit pas d'auto Atari, c'est pas une bonne idée et tout. Mais si noir capture, là il aura beau essayer de s'enfuir, à tout moment, il devra remettre un pion ici. S'il n'en remet pas, donc il joue ailleurs, paf. Bah en fait, blanc pourra capturer. Noir pourra aussi capturer, mais à un moment, on reviendra à l'étape de c'est blanc qui mange, quoi. Et s'il connecte, bam! Miam, 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 miam. On capture tout. Donc là, la petite technique à avoir, c'est de se dire, ok, ces deux pierres, c'est pas un œil. Je vais connecter celle-ci, qui est plus importante. Parce que moi, j'ai pas envie que l'autre ait les deux coups. Tac, tac. Donc je connecte celle-ci. Et quand noir capture, on jette une pierre. Ok? Il y a plein de petits exercices. Hein, ça c'est déjà les deux yeux un peu complexes. Le plus basique du plus basique, clairement, c'est celui-ci, qui est tout entouré de blanc. Et on vient prendre l'œil. Pouf! Juste là. Que si maintenant noir approche, on le capture. Si noir joue ailleurs, et qu'il dit qu'on n'est pas vivant, on lui dit bah si, enfin qu'il n'est pas mort. On lui dit si, t'es mort, tu me captures des pierres, mais moi je t'en capture aussi. Donc, une négociation, et à la fin on a raison. Mais celui-là est un peu plus complexe. C'est vraiment une histoire de timing. Et là, effectivement, il n'y a pas de bonne solution pour noir. Pouf, pouf, pouf. Donc, bien joué Edwin de l'avoir amené jusque-là. Malheureusement, la conclusion est tout autre. Parce que dans la partie, blanc joue à 10.
Et c'est bien dommage, parce que la capture de ça aurait pu être plutôt agréable. Alors noir, un petit peu avant, pouvait a priori hein, trouver une petite parade, au moins le coup. Parce que là, quand on capture, si on menace de capturer ces deux pierres par exemple, ça va répondre. Et si blanc connecte à un moment, tac, on connecte et a priori on a la vie. Donc dommage pour et pour noir et pour blanc là-dessus. Ouais, à ce moment-là, il y a aussi, on voit hein, que les groupes de bords sont vraiment très très solides. Donc là, je pense que Edwin a un peu trop solidifié son adversaire. Et il n'y a plus grand-chose à faire. Noir a plus de terrain. Ça va être compliqué. Le Tsumego, on l'a vu. Pouf, celui-ci, on l'a vu. Et un poil à la fin. Ça, c'est le dernier petit commentaire que j'aurais à faire. À la fin. Ça, c'est un yossé à ne pas faire. C'est un yossé. Yossé, ça veut dire fin de partie. C'est quelque chose à connaître. Parce que on a envie de bloquer, de dire non, tu ne vas pas plus loin. Toute cette zone est à moi. Cette pierre, tu vas devoir la connecter. Je connecte ce qui se passe dans la partie. Et je garde tous mes points. Voilà, noir est content. Il a dit stop. Problème avec ce stop, c'est ces diagonales qui sont vraiment très embêtantes. Là, il y a une petite technique, hein. Quand c'est pas protégé, hop, pardon. Quand c'est pas protégé, cette coupe directe est très embêtante. Parce que noir capture, mais noir capture sur la première ligne. La ligne de la mort, la linea de la muerte. Et là, blanc fait Atari. La deuxième pierre. La pierre de la deuxième ligne. Sinon, joueur, hein, on capture. Et c'est terrible pour moi. Je viens de l'envahir sacrément. Si noir connecte, on peut manger très rapidement ces pierres comme ça. Tac. Tac. Et si noir essaie de résister, on lui dit non, mais il n'y a pas de résistance. Hein, j'ai déjà mangé. Là, spécifiquement dans ce cas-là, on peut aussi se dire ok, là je connecte simplement. Parce que j'ai beaucoup de liberté. On va les compter, hein. 1, 2, 3, 4. Pas ça. 1, 2 pour blanc. Pour noir. Donc là, on est bien en avance. Et il y a aussi cette faiblesse-là de noir à résoudre. Donc, ouais, plutôt agréable. On doit même pouvoir, je pense, faire celui-ci. Voilà, pour la fin de partie, ça a l'air encore mieux, mais. Mais avec des petites faiblesses. Non, même pas. Bref. Donc voilà, ouais, comme ça. Tac, 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 tac. Donc noir est en avance hein, à la fin, à ce moment-là. Blanc essaie d'envahir, c'est pas une mauvaise idée, mais effectivement, avec les murs qu'il y a à côté, il va falloir se lever tôt hein, pour réussir à grignoter tout cet espace-là. En tout cas, en dépit du fait que noir a plus d'espace, blanc a quand même joué des choses solides. Pas assez de vue d'ensemble, je pense. Trop peur et trop défensif sur cette partie. Ce que j'ai mis en commentaire dans la partie qui est disponible sur OGS, hop, à ce lien. Je disais que ce n'était pas une question de forme défensive, hein. Blanc les a bien intégrés, mais ça manque de fighting spirit, Edwin. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut aller plus au contact et puis envahir avant d'ériger ses murs contre toi. Voilà pour ce commentaire, Edwin. Et ben, il est 18h, on va regarder si l'école de Go a commencé sa partie. Alors. Et oui, c'est parti. Oula, ça part vite. Ça part vite. Ça part toujours très vite, tout ça. Hop là. Hop.
École Grenoble déconnectée. Et bing! Donc, si vous avez des questions pendant la partie, tout ça, vous n'hésitez pas à les poser. Moi, j'enchaîne. Pouf, je ferme 2-3 trucs. Voilà. Ils vont pas nous laisser le temps. Alors, faut savoir que les settings de temps, c'est 25 minutes. 25 minutes et ça augmente de 10 secondes après chaque coup jusqu'à un maximum de 25 minutes. C'est-à-dire que ça peut durer une heure, mais ce sont des enfants qui jouent très très vite, trop trop vite. Voilà. Donc là, c'est Darius du club de Go de Grenoble qui joue. Darius qui a un grade chèvre. Et bah, en fait, c'est un peu ce style décomplexé de bon, je sais pas ce qu'on n'a pas le droit vraiment de faire, du coup, je vais le faire. Et puis on verra. Ok. Alors, oh. Franchement, il joue très très bien en face. Hein. Oh non! Purée, c'est le seul truc que je répète presque à chaque fois. Je ne l'ai pas répété sur la dernière partie, bravo Edwin, tu ne l'as pas fait. Mais même la partie d'avant, comment on attaque une pierre qui vient chez nous? On l'attaque juste de loin. Ah non! Ah, ça m'embête. C'est quelque chose qu'on répète, vraiment. Ah là là. Aïe aïe aïe. Bon, ben, Darius tira au cours d'à côté, attention. Donc, ouais, non, ici c'est très difficile pour Noir de s'en sortir. Si on fait juste des choses comme ça, on renforce, on sait rien. Là, c'est dommage. Là, c'est dommage parce que Noir étant juste, voilà, il fait sa vie pépère avec toutes les faiblesses de Blanc. Qui existe. Poum, pink, punk, punk. Donc, ouais. Hop. Pouf. Jack. Ah. Oh non! Darius veut aller trop vite, hein, vraiment. Les protections d'abord. Ça c'est un truc. On se protège avant d'aller attaquer l'autre. Il va probablement le tuer, hein. Je le connais Darius, il va pas se laisser faire comme ça. Il va peut-être réussir à trouver des choses, et il devrait voir que là il y a un problème. Mais quand même, c'est pas beau, enfin. Il connecte. Ok. Ouf! Cette connexion était importante. Alors, on va revenir au début quand même. Ils vont avancer sans nous. Et comme si, comme je disais, s'il y a des questions, allez-y. Je suis là pour y répondre. Alors, bam bam bam. Petit début standard. Ok, on prend les coins. Pépère. Bonne extension. Ok, en général, quand on fait un touquet, on répond pour pouvoir étendre. Parce que là, Noir gagne tout de suite une forme intéressante. Une forme assez forte sur l'extérieur. Noir ne la prend pas et on dirait que ça a été joué un petit peu à l'envers. C'est pour ça on dit, ok, ça mérite une réponse. Nobby. On étend parce qu'on a peur là maintenant que la pierre regarde de ce côté-là. Donc, on prend nos points. Hop, pouf, on prend nos points. Mais si Blanc joue de l'autre côté, bah faut pouvoir dire. Ok, mais du coup, t'es un peu bas là, non? On va dire ok. Et voilà. Là, on vient de se créer, pour deux sous, une influence qui communique très très bien avec cette pierre qui est excellemment bien placée, hein, des deux côtés. Tchouk, tchouk. Là, c'est petit début de partie très très agréable pour Noir. Donc Noir ne saisit pas l'opportunité, finalement ça redevient une partie tout à fait classique. Où on prend des gros points. Ah oh, c'est pas très gros ça. Ça c'est un peu lent, hein. C'est trop proche. Là faut aller. Si tu veux de l'influence, allez. On regarde, hein. Allez, milieu des influences, tac. Et bah j'ai en premier. Là c'est un peu petit, un petit peu petit.
Ok, noir revient. Oh non! Mais écoutez les commentaires, arrêtez de taper sur les pierres! Ah. Vraiment, hein, vraiment, ça marche pas. Ça crée vraiment des faiblesses, pouf. Enfin, je sais pas, on peut taper de partout, on peut faire des choses. On fait des années, je sais. Il y a juste beaucoup trop de. C'est trop faible en fait cette pierre. Elle arrive en deuxième. Donc forcément, elle va se prendre un petit année sur la figure. Vraiment, juste protéger et enlever la base de vie, ça marche très bien. Ça marche très bien. Quand je suis blanc, là, je vais essayer de taper un petit peu aussi. Peut-être comme ça. Voilà, tac, tac, tac. Pour sortir, mais. Ah, c'est dommage. Bon, je vous laisse une seconde. Hop. Hop, re. Alors, ah, il y a une petite reprise de coup à celui-là. Ah, on le voit pas. Bon. Ok, oh là là. Ah ouais. Vous connaissez cette forme? Ça vous parle? J'enlève tout le superficiel. Ça vous parle? Ouais, c'est déchiré, ouais. C'est ce qu'on appelle un tobi. Un tobi déchiré. On enlève les pierres blanches, c'est un tobi. Si on enlève les si on met les pierres blanches, bah tout de suite les deux pierres noires sont un petit peu seules quand même. Là, c'est exactement ce qu'il y a dans la partie, et oh là là, ça fait très très mal. Parce que du coup, là, il n'existe plus de points. Là, bon, il va y en avoir un petit peu, mais beaucoup moins. Et bah, là, au centre, pareil, si on tue pas blanc, bah, c'est compliqué, quoi. Hop. Et au final. C'est blanc qui va prendre l'influence. Par contre, noir est solide, hein. Y a pas à dire. Allez, oh, it's okay. It's okay, c'est coup au contact. Donc, je le dis assez souvent. Ok, blanc s'agrandit, il a pris son espace. Noir envahit, donc ça, c'est là où on est arrivé. Et de nouveau. Il faut enlever la base de vie, couper l'accès au coin. On aime bien les coins, regardez. On sécurise plein de points juste avec 3-4 pierres. J'exagère à peine, hein. On sécurise pas mal de points. Si en plus on est sous attaque, on met celle-là sous attaque, on en sécurise encore plus en rajoutant quelques pierres. Donc, non, celui-là est pas bien, noir réagit pas mal. Mais il oublie des petites choses. Bon, noir réussit finalement à sécuriser son coin, mais à quel prix, hein? Là maintenant, noir blanc est super fort. Ce qui fait que ici, ça va probablement plus se transformer en point que juste en potentiel. Que là, ça a l'air d'aller pas trop mal pour faire des points, et de ce côté aussi. Donc, si on relie les points,
Ça fait presque un demi-goen là. Et pour noir, ça c'est relativement solide quand même. Et ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 36, 30. J'avais dit combien? 40. Ça fait un petit. C'est comptage à la louche avec les mains, hein, attention. ne faites pas ça chez vous. Mais là on a en gros. J'avais dit 4 fois 9, 36. Et 40, on a 76 en tout. À peu près. Et là, on a juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mettons 10 avec les pierres capturées. 4, 5, 6, 7. Donc, il y a plus de 80 avec, avec les pions qui peuvent être là. Bon, j'exagère un petit peu le territoire de blanc. Et j'exagère un petit peu le territoire de noir. Du coup, ça va. Donc, il y a déjà un commis plus une bonne dizaine de points. Je pense qu'il y a 17 points d'avance là pour blanc. Petite estimation. Ah ouais, bon, encore plus. Comptage avec les mains. C'est pas très efficace. J'avais dit de ne pas faire ça chez vous. Hop. Je vais juste remettre comme ça, juste pour que ce soit plus joli. Hop là. J'avais pas vu que j'avais pas changé le skin. Donc, tac, tac, tac. Ok. Ah, noir sécurise un peu son terrain, mais c'est un peu comme l'autre coup. Hein. Là, ces deux Toby, ils sécurisent, mais ils sont pas hyper actifs. Là, quand on est en retard, il faut vraiment être actif, se dire... Il faut que je détruise du Puntos. Donc essayer d'utiliser un peu ses faiblesses. Ce qui est embêtant, c'est que là, en bas, blanc est quand même relativement fort. Hein. C'est toujours des extensions de 1. Donc extension de 1, c'est bourrin quand même. Faut se lever le zoo pour aller les couper. Du coup, c'est petit ça aussi. Moi je préférerais juste ouais, corriger là ou corriger pouf. Là ça, ouais surtout là. Là c'est bien. Là il n'y a plus de soucis sur tout l'ensemble du territoire. Et là c'est vraiment un gros bloc de là à de là. Tchoup. Ouais, celui-là me paraît bien. Donc ouais, c'est autour de cette zone qu'il faut commencer à s'activer, quoi. Ouh, what? Oh. Petit indice pour voir que c'est pas un bon coup. Double angle vide. Voilà. Surconcentration, hein, beaucoup de pierres pour faire quoi? Un point. C'est pas un bon. Ouais. Surconcentration et angle vide ne font pas bon ménage. Ok. Et oh, Darius, c'est trop petit ça aussi. Tu fais quoi là? Tu fais 3 points. Ah, faut sourire un petit peu, mais je sais pas, mais tout ça, moi je me pose des questions. Et il y a sûrement plus que 3 points qui se jouent. Et surtout, ouais, c'est cette zone là quoi. Trop petit. Bon, celui-là il est intéressant. Je pense quand même qu'il est trop petit, mais. Et on fait le Yossé. Il veut couper. Oh, il a coupé. On s'en fiche, non, de cette pierre. Là, si on coupe d'un côté, c'est pour couper de l'autre. Si il prend, on est content, non? C'est déjà un bon gain pour blanc. Ah, c'est dommage, ça. Moi, je préfère l'autre gain. Je sais pas vous, mais vous préférez quoi entre 1 et 2? Pif, pouf. Qu'est-ce que vous prendriez? Ça leur dure pas, vous avez le choix. Un gratin
Un gratin de fromage ou des endives au jambon. Bon, les endives aussi. Mais moi, je suis végé, donc je prends plus de jambon de toute façon. Bon, je pense que tout le monde choisit deux, hein. Là, clairement. L'idée, c'est pas de laisser des plumes. Cette pierre-là, elle a fait son office. Mais dans ce cas-là, on peut aussi même juste se dire, je coupe là, non? Et je garde la coupe de l'autre côté pour plus tard. Si jamais on ne capture pas tout de suite, oh, ça va abîmer un peu quand même. Quoique, jamais assez. Ça va pas abîmer assez. Tac, tic, touc. Il n'a pas le temps d'abîmer assez. Bon, c'est un peu plus complexe à lire. Mais au moins là, quand on coupe de l'autre côté, on est à peu près sûr que pouf, pouf, ça c'est bon pour blanc. Il y a un festival de mauvaise forme. Donc, de forme traversée, hein, comme tout à l'heure, Clem. Donc, ouais, non, c'est à peu près sûr que couper de l'autre côté, bonne chose. Couper de l'autre côté. Ouais. 100%. Bon, il revient. Il a ce coup-là, hein, que j'avais dit tout à l'heure, le petit D9, qui semble juste être une protection maintenant, mais qui tout à l'heure était vraiment gros. Quoi? Bah pourquoi? Pourquoi on se laisse traverser facilement comme ça? Oh, il veut pas lui laisser la pierre. Ah oui, je pense pas qu'il ait peur de ça. Ah si, oui, foula. Petit talus, je vous ai dit, je vous ai prévenu qu'il y avait eu le festival Échecs Igloo et les 50 ans du club et que j'étais fatigué. Alors ça suffit, ne me jugez pas. Donc non, c'est une bonne protection dans ce cas-là. Voilà, très bien. Oh, il a pas vu l'Atari. Darius, pas concentré. Darius, qu'est-ce que tu fais? Oh, qu'est-ce que... Mais quoi? Bon, il finit la partie rapidement. Ok, il fait les petites embrouilles. Ah, très bien cette protection. Ouais, on a envie de faire ça et de jouer ailleurs. Hein. Pouf. Problème, c'est vrai que ici, si on connecte, tac, tac. Du coup, noir quand il joue là, on doit faire ça et il s'y encrouille aussi quand même. Donc la protection la plus simple, effectivement, c'est ici. Contre noir. Oh, et on le finit. Ouais, mais laissez-moi commenter. Ok, sur la fin, ça fait du petit haussé tranquillement. Et blanc gagne son avance, garde son avance de 40 points. Ouais, ce côté était trop gros. Il a essayé tranquillement d'envahir, mais. Mais après, ouais, il n'y avait plus trop d'invasion en fait. Donc un peu trop tard. En revanche, noir ici peut aller jusque-là. Il y a des petites choses comme ça qui sont possibles. Et pouf. Mais bon, là c'est plus l'heure de rattraper son avance. Bien joué. Ok. Ouais, fin du haussé. Très standard. Il a de l'avenir, hein, le petit jeune aussi en face là, Nathan. Parce que je vois pas de grosse erreur de lecture, tout ça.
Il y a ce truc de taper quand l'autre envahit, hein, qui est pas une bonne idée. Il y a cette forme traversée qui est absolument immonde, hein, je vous le cache pas. Quelques petites erreurs techniques pour vivre là-haut, mais pas de grosse erreur complètement, hein, sincèrement. Et il se laisse pas faire dès que Darius est venu de son côté, c'était verrouillé, solide, pas de souci quoi. Donc bravo à lui. Bon bah Darius a pris sa petite avance, hein, comme on l'a vu sur le début, sur la capture, hein, évidemment. Mais pas de la meilleure des manières, hein, je pense. Le taper dessus, jamais trop une bonne idée. Là, ici, Noir pouvait aussi faire ça, mais effectivement, là, on va plutôt choisir cette direction. Donc, je pense pas que ce soit une mauvaise idée en soi de venir de ce côté. Bref, belle partie des deux joueurs. Ne jouez pas des petites jumps comme ça, hein, non plus, qui sont un peu trop petits. Évidemment. Mais pas celui-là. C'était lequel? Un peu après, c'était lequel? Bon, tout ce qui développe pas. Ah oui, non, c'était après celui-ci. Voilà. Bon, c'est des choses qui développent pas quand faut trouver de la RNG. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Darius, il est déjà envolé. Mais félicitations à lui. Ils joueront donc la finale, la dernière partie de ce challenge entre Rennes et Grenoble aura lieu la semaine prochaine, le 18 juin, à la même heure. À la même heure, entre 18h et 18h30, avec des parties qui peuvent durer jusqu'à 1h30, hein, évidemment. Mais ouais, c'est le genre de partie rapide. Alors, je sais pas si Darius est dans le chat. S'il n'y est pas, eh ben je le laisserai regarder la partie un peu plus tard. Et dans ce cas-là, eh ben moi je vous souhaite, s'il n'est pas là, une bonne soirée. Et je vais aller me reposer de ce week-end qui était dense. Au revoir.